Rentre. C'est bon, tu peux revenir dans la météorite, vite, tu vois. Oh, c'est des poulets, il arrive en ville. Vas-y, j'ai ramené mon cul. Ah, je suis là. Yo. Bref, du coup. Ouais, bon, par contre, tu vas pas à la liberté avec ce corps. Tu vas pas rester dans ce corps, tu vas aller dans un autre corps. Bah, par contre, j'en veux un qui peut faire des choses, parce que là, je peux rien faire avec ça. Enfin, avec celui-là, je peux faire beaucoup de choses. Genre, je sais. Oh, garde du corps, c'est lui. Donne-moi un truc tiens, qui est vide, quoi. Tiens, garde du corps, pour toi. Garde du corps, je dois pas déliminer, Infini, écoute, alors tu vas te débarrasser de ce météorite. Mais après tu relâches le fort de Frost, d'accord? Je reviens dans les... Oh putain, ma tête est en feu. Quand je disais que tu as tiré tes promesses. T'en fais pas, on va y aller à un autre corps. Un drap de radio des gentils. En attendant que tu t'en trouves un nouveau, je reste en celui-là. Un drap de radio des gentils, quelqu'un m'entend? C'est ça. Ok, vas-y. Oui, allô, c'est le gars. Allez, vas-y, t'as pas envie de me faire trop vite. Ça va, toi? C'est qui, toi? Ah! Oh non, mais ça, c'est qui, toi? Les gars, la météorite est en train de se rapprocher! Mais je suis fini! Débarrasse de ces météorites maintenant! Allez! D'accord. On est vite fait. Débarrasse des autres, tout d'abord. D'abord, les petits. Ah! Regardez! Regardez la fleur de météorite qui était dans le repère des héros! Il commence à disparaître petit à petit, regardez! La TK 78, c'est bon. Ah! Oh, par contre, il me tire dessus là! Allez, vas-y, tu es prêt! Attends, tu es prêt! Parce que je vois, je dois le remouler le cul, hein! Fils de pute! Vas-y, tu es prêt! Recours un peu! Eh, faut que t'aies bu avec la radio! Oh, ça marche! Arrête de bronzer, par contre, c'est un peu chul, quoi! Mais il a combien de garde du corps, arrêtez de tirer, s'il te plaît. Mais toi, t'es qui, toi? Bouge-moi. Oh, regarde. C'est pas ça qui se passe. Mais pas, je t'ai dit. Oh, je t'ai dit. Ta gueule. Oh, mets tes oreilles, là. Mais bougez. Ta gueule. Oh, y'a plus la fleur de la météorite. Juste, t'es qui, toi? Mais c'est moi qui l'exécuteur, c'est mon garde du corps. Non, je suis pas ton garde du corps, moi. Oh, mais l'exécuteur, il a mis... Moi, je suis le frère du garde du corps. Le frère qui a tapé. Ah, ok. Donc tu bouges pas. Ah, ils sont partis. Les météorites, ils sont partis. Mais c'est quoi cette grosse météorite, là? Non, attends, moi, c'est... Dovakin, si, la souvine. Attends, il y a encore... Ah, il a réussi. Il y en a encore un peu là apparemment. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Ah, oh, putain. Putain, ouais, il est chiant, il a réussi. Non, vite, je vais voler les informations dans la chambre de Nico. Non, je veux dire, je vais voler les informations dans... Bon, allez, les informations, je vais les prendre là. Mais tu réussis. Oh, il y a une vidéo. La radio est surpopulée. Exécuteur, tu me reçois? Je vais aller dans la chambre de l'écran prendre les livres. Exécuteur, est-ce que tu me reçois, sale pire, sale malade? Je me reçois, qu'est-ce qu'il y a? La radio, putain. Tu sais, c'est qui parle? Non. Infini. Oh, il y en a vu que c'est Infini. Je sais pas comment te remercier. Je sais pas comment je peux te remercier. Fini. Écoute, on va t'appeler dès qu'on a un autre corps, mais un corps qui est mort cette fois-ci, hein. Un corps qui est mort. Attends, est-ce que tu sais pour un corps ça marche pas en fait, juste que ça marche pas. Sinon, c'est mon courage. Et bah, au pire, un méchant, alors juste un méchant, genre, je sais pas, un voleur. Ouais, au pire, un criminel. On va prendre bah, en fait, le problème, c'est que si je prends méchant, ça se peut que moi aussi je Ah bah, alors, un corps d'un gentil. Parce que n'oublie pas qu'il y a pas que moi qui peut, genre il y a aussi l'autre. Ok, mais attends, est-ce que tu peux pas faire genre par exemple le frère de Frost et toi
Genre. Mais en fait, il y a moi et frère de France, sinon je ferais pas des bambus. Dans ce corps de cerveau. En fait. Pourquoi on va appeler ouais, tu es deux, t'es sûr? Ça, ça, c'est du frère. En fait, là, je fais à deux. Avant ce que je fais à deux. Finalement, tu peux arrêter. Non, finalement, tu gardes un seul cerveau et c'est le tien. Ah, c'est toi, exécuteur. Mais tu fais quoi, toi? T'es qui? C'est moi, ouais. Ah, ouais, toi. Aïe. Bah, oui. Cornor et Shunite. Cornor, c'est bon. Cornor, c'est une affaire personnelle. Hein? Cornor, je peux le tuer. Attends, écoute, attends-moi. Ouais. Écoute. Allez, bah moi je vais dire salut. Moi j'ai des pourquoi, choses. Pourquoi t'es devenu méchant à l'époque? Pourquoi t'es devenu genre le méchant dès que t'as pris le corps de Jeff? Mais en fait, Jeff, c'est normalement. Attends, mais je comprends méchant, pas. Il m'a tiré dessus, Attends, mais je comprends pas. Ah, d'accord. Attends, je comprends pas en fait, parce que d'habitude, Jeff, il est gentil, et toi, t'es devenu méchant tout d'un coup. Parce que de base, écoute-moi, de base, j'étais mort en fait. De base, j'étais aussi un autre animé comme vous, genre normal. Après, je me suis fait. Bon, j'ai pas. Je suis juste mort, là. Et puis, arrête. Il y a. Comment il s'appelle là Démon Zéro, qu'on s'appelle encore? J'oublie. Arrête! Mais t'es comme ça! Démon Zéro! Arrête! T'es sûr? Oh, voilà le! Démon Zéro, voilà Démon Zéro! Ils font mal! Il m'a réanimé! Et du coup, je suis obligé de suivre au moins une mission pour. Oh, voilà le! Par contre, mais. Pour rester au double katana de Deadpool. Bon, bah écoute, on se reverra alors. Bon, mais je reste ici, vous avez fait une chambre à. Tu fais quoi toi? Je sais pas, bah tu sais quoi, si vous voulez moi, je peux me casser. Au pire, suis-moi. Viens dans le repère. Le mec il tire là, je sais pas. Oh là là, c'est bon, c'est réglé. Je t'attends dans le repère, hein. Attends, j'essaie de faire. Ça, c'est du frère de Frost. Juste attends. C'est pas habité cette chambre, tu peux. Juste fait avant quand tu sors. Juste ça, c'est la part de frère de Frost, parce que je suis emprisonné. Salut à tous! C'est pas la chambre de France. C'est pas non, ça c'est la chambre de personne. Tu peux habiter ici. De personne. Et regardez dans l'ordi. Et regardez dans l'ordinateur. Oh, je prends toi, t'as que tu prends. Et regardez dans l'ordinateur. Non. Alors, bonjour. je m'appelle. Oh ta gueule. Mais t'as côté d'une. C'est qui Batman? Ah, je connais le descendant de l'univers DC Comics. Ouais, je sais même pas pourquoi c'est que ça fait là. Oh toi, t'as été autorisé à rentrer? Run better, oh, attendez, j'ai reçu un message de Batman. Alors, Batman, ouais, il m'a envoyé... On s'en fout, casse-toi. Ok, attendez, on s'en Batman... fout, casse-toi. Il m'a on s'en fout, casse-toi, j'ai dit. Qu'est-ce que... Ah, ouais. Je préfère tac, je t'envoie la clé pour là. Alors, en gros, Batman m'a tout simplement envoyé. Salut, exécuteur, vu que nous demandons ouais, bah, on est bientôt séparés. Mais, toi, t'es garde genre, de la maison. Toi, t'es garde de la maison, du coup, tu restes là. Je tiens juste à te dire que quand les deux mondes ils vont être séparés, ce sera demain. Demain, notre deux mondes ils vont être séparés, donc tu ne pourras plus jamais se voir. Donc si tu veux passer les derniers moments avec toi et moi, bah alors viens à Gotham. C'était Batman, ton ami. Oh, il a écrit son ami. Ah bah tiens, il est comique ce Batman maintenant. Hein? Finalement, je vais peut-être m'appeler. Oui et non. Oui et non. Bon, finalement, écoutez, je vais à Gotham. Oui et non. T'es sûr? Eh, je peux tenir à Gotham avec toi? T'es sûr? Ouais. Je suis vraiment sûr. Vas-y, sonne-le le pauvre. Vas-y, sonne-le. Bon, attends, voir que tu passes ton argent, comme ça je peux m'acheter un hôtel. Merci. Voilà. Ok, bah. Le plus rapide de tous les semaines. Bon, du coup, je vais vous laisser. Et venez voir si vous voulez voir une vraie cascade des héros. Vas-y. J'espère pas briser les os. Poussez-vous. Venez voir!
Oh non, 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 merde, mais... Wow, on peut dire que c'est une situation mortelle. Viens, canal 2. On peut dire que je me suis cassé le crâne. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, j'ai quelque chose contre toi. Je suis venu ici parce que, en fait,